Dans la forêt bourguignonne, d'irréductibles passionnés se sont embarqués pour une folle aventure, bâtir un château fort comme au Moyen-Âge. Un défi est lancé, celui d'un incroyable voyage dans le temps. Tout commence en l'an 1987, le jour où le propriétaire de Saint-Fargeau reçoit les résultats de l'étude archéologique de son château. Des résultats fascinants. Enseveli sous son château de briques, apparaît un autre château, vieux de 900 ans. Une équipe de passionnés se rassemble autour de cette découverte et fait le serment de construire un château du Moyen-Âge avec pour devise « construire pour comprendre ». L'équipe se met alors en quête d'un terrain pour accueillir le chantier. Et c'est dans la forêt de Guédelon qu'ils découvrent la terre promise. Tout y est, le bois, le sable, la terre, l'eau et la pierre. Permis de construire en main, il ne leur reste plus qu'à trouver un nom qui résonne comme une évidence. Ce sera Guédelon. C'est en 1998 que le chantier ouvre au public. Guédelon, en véritable entreprise, s'entoure d'une équipe qui compte aujourd'hui près de 70 salariés pour recevoir les 300 000 visiteurs qui viennent chaque saison. Et grâce à qui, le chantier peut entièrement s'autofinancer. C'est sous la conduite du maître d'œuvre de Guédelon qu'une quarantaine d'œuvriers font vivre au quotidien ce chantier unique au monde. Où chacun peut d'ailleurs apporter sa pierre à l'édifice en venant s'initier quelques jours à l'équipe de construction du Moyen-Âge parmi les œuvriers. Les bâtisseurs, pour guider leurs choix architecturaux dans les moindres détails, interrogent les châteaux de référence comme celui de Dourdan ou Yèvre-le-Châtel. Érigés sous Philippe Auguste dès la fin du XIIe siècle, ces châteaux sont représentatifs de l'architecture philippienne. Ils sont d'ailleurs un modèle de fortification efficace pour défendre son royaume. Les enluminures, les vitraux, les comptes de chantier représentent une formidable mine de renseignements pour les historiens, les archéologues, les castellologues. Les ouvriers se réapproprient au quotidien les techniques de leurs ancêtres et un comité scientifique veille dans le choix de construction des différents ouvrages.
Guédelon, c'est un véritable chantier médiéval en fonctionnement. Mais rassurez-vous, la sécurité du travail accompagne scrupuleusement ce laboratoire. Guédelon est une histoire sans fin. C'est une expédition humaine, pédagogique et scientifique. Un voyage dans le temps, à la découverte des savoir-faire et du patrimoine mondial.